Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Bonjour la TKC, bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Comment vous allez? En fait, j'ai fait ce petit direct là. Ça, c'est une abeille qui m'appelle et qui m'a laissé deux méchants. Quand elle dit méchants messages, elle t'est cassée. C'est-à-dire, ils ne se limitent plus au niveau des réseaux et ils appellent même maintenant sur les téléphones des gens. Voilà une abeille qui prend tout le courage. Elle vient me laver dans mon téléphone, maman. On peut être courageuse comme ça. Bonjour, le diamant bleu. Bonjour ma princesse, comment tu vas? Voilà une abeille. Tu restes, t'as pas bien te trouver. Une abeille qui vient, elle me laisse deux voices où elle me lave dedans copieusement. Voilà les deux voices là. Elle me lave copieusement, c'est-à-dire elle me lave jusqu'à me rince, elle m'étale, elle me repasse. Et elle me jette dans la poubelle même. Voilà ça. J'ai arrêté d'écouter parce que c'était méchant, l'enfant à côté de moi, elle n'est pas là à l'école. Nous sommes allés à l'école, sa maîtresse n'est pas là. Il n'y a même pas de remplaçante. Donc nous sommes rentrés. Donc j'ai arrêté parce que l'enfant est à côté de moi. Mais le lavage, non, non. Je ne peux pas vous faire écouter ça. Mais elle m'a bien lavé quand même. Et non. Tu m'as beaucoup noué. Moi, je fais le beurre beaucoup comme ça. Ah! Oh là là. Tu mets trop, c'est comme ça qu'on met. Tiens. Dis-moi aussi l'autre là. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. C'est bon. Maman, écoute, elle m'a lavé. Lavé mon petit frère Gabriel. Elle dit qu'elle connaît Gabriel. Elle est allée à l'école avec une de ses collègues. Ou c'est ses collègues, ou c'est sa soeur, ou c'est son frère, ou c'est son kio. Voilà le numéro là, ici. Là. J'ai dit qu'elle lance le direct quand même pour. J'ai tourné la voix à la caméra hein, parce que je suis en train de. Oh, petit déjeuner là. Donc, il y a du qui vient dire à mes enfants que les abeilles viennent même déjà jusqu'à dans la maison pour m'insulter. Voilà ça, maman. Je n'ai pas le courage de dire vous que c'est quoi. Elle dit que j'ai insulté. Sa mère, que j'ai insulté sa mère, coucou. Mes enfants, voilà, je viens vous montrer. Voilà une abeille qui veut m'appeler. Voilà une abeille qui veut m'insulter à domicile, qui vient jusqu'à dans ma maison pour m'insulter. Je ne sais pas pourquoi cette abeille vient m'insulter. Elle peut m'insulter sur les réseaux, mais elle vient d'ailleurs dans mon inbox même m'insulter. Voilà ça ici. Je ne dis pas n'importe quoi. Soit disant j'ai insulté sa mère. Je ne sais pas où est-ce que j'ai insulté sa mère. Je ne sais pas où est-ce que j'ai manqué de respect à sa mère. Voici une abeille qui vient m'insulter. Voilà ça. Je ne refuse pas qu'on m'insulte sur les réseaux, mais quand vient d'ailleurs m'insulter sur mon téléphone. Là, ça va déjà un peu très loin, là. J'ai donc dit que je fais le direct pour vous montrer, pour avertir à la TKC. Voilà ça qu'on vient m'insulter sur mon téléphone. Mais c'est les injures que j'ai déjà reçues. Qui ne peuvent plus jamais rien me faire. Tu n'accouches pas.
Tu as les quatre lettres. Tu prends les médicaments, c'est ça qui te fait gonfler les joues. Tu es parti te doter. Ça, on sait déjà que tu allais me doter. Et ce n'est même pas d'abord la dot. Tu as plus l'âge de ton petit frère, c'est ça que tu utilises. Tu accouches aussi. Ma reine mère a un enfant, elle a accouché. Toi, tu as refait des seins, tu as le dentier. Je ne sais pas à quel moment j'ai insulté Florin. Vraiment. Moi, j'insulte les gens qui sont en train de m'insulter. Donc, j'ai parlé l'autre jour, tout le monde a cru que c'était de Flo que moi je parlais. Moi, je ne parlais pas de Flo. Hein. Si je veux parler à Flo, j'ai son numéro, je l'appelle, je lui dis que voilà, je ne suis pas contente. Donc, voilà une abeille qui vient dans la maison m'insulter. Voilà, ça ici, voilà son numéro. Elle m'a laissé deux voices pour me laver copieusement. Donc, les abeilles, lavez-moi sur les directs comme vous faites là. Mais quand vous venez là dans ma maison, ça, c'est la guerre que vous voulez à déclencher là. Ce n'est plus bon. Là, c'est déjà la guerre que vous voulez déclencher. Christian de Monaco, voilà ça. Voilà les abeilles qui viennent m'insulter dans ma maison. Je vous mets seulement un petit extrait. Allô? Bonsoir, compresseur. Comment toi-même tu peux faire la vidéo? Tu dis que Flore a fait la chirurgie, mais pourquoi elle ne fait pas la chirurgie chez ses pieds? Toi-même, tu... J'ai parlé de... Quand je faisais ma vidéo, j'ai prononcé le nom de quelqu'un quand je faisais ma vidéo. Pourquoi les gens me sont prêchés le faux pour avoir le vrai? Pardon. Ndolé Miondo sait qui moi j'insultais. Et moi je sais qui j'insultais. Mes enfants savent qui j'insultais. Je n'ai pas besoin de passer par quatre chemins si je vais insulter Flore. Je n'ai pas besoin de passer faire les plans. Je dis, je réitère, je n'ai jamais manqué de respect à Flore. Voilà les abeilles qui viennent m'insulter. Attendez, tourne ma caméra. Voilà les abeilles qui viennent m'insulter. Je ne sais pas si une TKC est déjà partie dans l'inbox de leur patronne l'insulter. Voilà les abeilles qui viennent m'insulter déjà dans mon téléphone. La paix est bien. La paix est bien. Voilà ça. Elle m'a laissé deux voices où elle me lave copieusement. Bien même. Voilà ça qui commence. Voilà ça. Voici son numéro ici. C'est elle là. Qui m'appelle pour m'insulter. Elles peuvent lancer leur direct là-bas, ils me lavent comme il faut. Mais quand ils viennent déjà dans mon inbox, me manquer de respect, là c'est un avertissement. Moi je suis en train d'avertir. Moi j'avertis. Voilà les abeilles qui viennent m'insulter. Hein. Vous êtes témoins, je viens de lancer le direct si que vous voyez et que vous écoutez. L'enfant est là. J'allais vous faire écouter les méchancetés qu'elle me dit là-dedans. Parce qu'après, on m'a dit que oh, Maléba est trop dur. Maléba est. Voilà ça. Je vais m'envoyer ça à Ndolé Miondo maintenant là. Voilà ça. Que on vient m'insulter. Oh. Voilà ça. Oh. Voilà ça. Oh. Adam avertit, oh. Moi j'avertis toujours. Oh. Moi j'ai envoyé ça aussi à mes enfants. Un homme avertit à vous deux. Là, ça, je vous avertis déjà. Pardon. Voilà ça. J'ai envoyé à mes enfants. Voilà ça.
Voilà ça, vous. Voilà ça. Voici ça ici. Une abeille qui vient m'insulter. Elle vient m'insulter dans ma maison. J'ai pas le courage, ça. C'est pas courageux, ça. Et c'est dans la nuit, hein, à l'heure que moi je suis gentil de chercher comment je vais faire mes rêves. Vous avez vu, non? Bon. Par contre, dis que je n'ai pas averti. Moi, j'avertis, moi, toujours. J'avale mon doliprane. Et je ne pleure pas. Moi, il vient seulement avertir. Je ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Coucou, ma belle soeur d'amour. Je sais que comme tu es enceinte, tu me caches déjà. Je sais que mon frère a déjà atomisé. Oshi, Oshi. Ashiga. Ma fille, tu me dois. Tu m'as envoyé la dernière fois, je suis parti, je n'ai pas pris ma part de jeu. Tu es parti avec tout le pot. Tu es parti avec tout l'argent alors que je voulais couper un peu. Tu as vu, mais dans la carte, tu es venu me souiller ici. Alors que tu m'as mis un chocolat, il met dans la carte. La carte est venue me souiller. On se moque maintenant de ta mère et ta belle-sœur en même temps. Tu as vu? Tu ris quoi? Je suis gardé, ris pas. Je suis dépassé, maman. L'enfant n'est pas là à l'école. Je suis parti prendre mon rendez-vous là pour l'échographie. Je rentre maintenant et prends l'autre téléphone maintenant que je vais regarder. Parce que j'ai vu hier que ma soeur m'a appelé, Gisèle. J'ai regardé donc pourquoi je vais l'appeler. Je tombe sur deux voices, maman. Il y a d'abord mis play. Aïe, ya. On m'a atomisé. On m'a atomisé, vite enlevé. Parce que là, le monde a commencé à me look. J'ai d'abord enlevé ça. Voilà ça. Les abeilles viennent d'ailleurs m'insulter, même dans la métal. Ils ont le courage, le genre que toi t'appelles même d'ailleurs pour te laver. Même. Tu veux encore le pain, tu prends. Si tu veux encore. Pardon. Maman, les abeilles. Donc, comme on a dit que les TK sont violentes à ce moment, vous voulez montrer que vous êtes vraiment violentes jusqu'à vous venez d'appeler même chose. Hé, Adjoba Som. Il ne faut pas tenter le diable. Monsieur TK m'appelle. Et Teke Gabriel, jusqu'à l'âme parler de Teke Gabriel dedans. Hein. Elle a dit que Teke Gabriel, j'ai pris son âge. Donc, maman, si on vient vous dire que j'aime 100 ans, vous allez accepter. En tout cas, moi j'aime même 100 ans, alors, mais je ne fais pas de chirurgie. Hein. Je reste moi toujours comme je suis là. Pas rien, je ne refais rien sur moi. Parce que même quand tu peux faire les trucs là, après ça te rattrape. Oh. Non, oh. Monter les escaliers là, tu m'as crié. Tu cries. Monsieur Teke m'appelle. Mon petit frère d'amour. Nga tombe seulement hein, pour le nom de Teke là. Monsieur Teke, bonjour. Le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur t'a parlé? Oui. Que quoi mon bébé? Il m'a dit que tu auras beaucoup, beaucoup de bonnes nouvelles. Non, amen, amen. Oui. Donc tu dois recevoir. En fait, j'ai rêvé de toi, mais pas en mal. Amen, je reçois mon petit. Amen, je reçois mon enfant. C'est pour ça que je voulais te dire, j'ai rêvé de toi, mais pas en mal. Donc, amen, amen, Seigneur. Amen. Moi-même, j'ai seulement dit que Seigneur, c'est comme tu dis là, si c'est ça, nous on reçoit seulement. Amen. Que le Seigneur t'écoute, oui. Mon petit. Qui t'écoute? Je te jure. Ouais. Non, c'est pour ça que tu vois. Amen, Gabi. Tu as envie de me donner les larmes, oh merci. Amen. Amen. Donc je sais que tu peux vivre les petites difficultés, mais je. Mon petit. Confiance. Donc l'affaire que la carte n'est pas passée là, c'est la bénédiction peut-être. Hein. C'est le message. Hein? Ouais. Amen. Je ne sais pas, mais c'est toi qui sais ce que tu vis. Juste pour. Non, en ce moment, vrai, c'est un genre. Ça, amen. Je te promets. On t'a encore mis dans les prières. Merci. Dis à Axel qu'il accentue encore plus de prières. Dis à Axel que j'ai besoin. Ouais, en tout cas, je vais l'appeler même après. On a sorti le Saint-Sacrement. Comme il est lecteur, il est même déjà dans les trucs de. Donc, il prie. Pour ça, je peux te promettre, ça va aller. Amen. Déjà, le rêve que j'ai fait, comme on dit, les rêves, parfois, c'est des signes. Amen, mon petit. Donc, je suis, comme c'est pas mauvais, je suis au moins content.
est sorti. On a fini la messe là. Fatou a continué sur la matière de Thierry. Je suis allé lui donner les dos là. Je suis allé Amen. là-bas. Amen. Naturellement. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'on dirait. Oui, ils vont parler la langue là-bas, le Yaoundé. C'est sa mère, non? C'est les femmes de l'église. Ok. Il est au boulot, non? Il est au boulot à l'heure, c'est là. 5 heures, lui, il est parti. C'est sa chargée de la communication, non? C'est sa chargée de la communication. Pas tout. Non, il va t'appeler à sa pause. Ok. Quand c'est la chair de poule, moi, c'est que c'est le Saint-Esprit, en fait. Ah, que le Seigneur t'écoute, mon petit frère. Amen, amen. Oh, merci. Ok. Je vais l'appeler. Il faut que Arcel s'applique bien dans ma prière en ce moment. J'ai besoin de ça. Amen. Si. D'accord. 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 Ok, mon petit. Si, dis. D'accord. D'accord. Merci. Merci, mon petit. Et l'anniversaire des canettes, c'est le 7, hein. C'est quoi? C'est demain. Demain, c'est demain, attends demain. Tu manques, moi, je serai la première. J'ai raté hier, là, je ne peux pas rater demain, là. Je ne veux pas d'aime. Je veux pas d'aime. Non, je veux pas d'aime, je veux pas d'aime. C'est son anniversaire. Ok. Une vidéo. Je vais aussi dire à Noé tout à l'heure de lui faire une vidéo là. Ok. D'accord, mon bébé. Gros bisous. Bonne journée. Hein. Merci. Ouais. Il savait pas qu'il était en direct. Coucou, tata. Mon bébé. Mon enfant, c'est une abeille. C'est une abeille qui m'a lavé comme ça, comme tu écoutes là. Écoute les mots méchants qu'elle me dit. Aïe! Quand on veut souvent laver quelqu'un, il y a quand même des petits mots qu'on a un peu pitié, non? C'est pour ça que moi, je suis souvent aussi très dur. Quand je sors souvent, je ne pèse plus mes mots. Parce que quand on vient me laver comme ça, là, après, quand je sors, les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que je sors. Tom, tu as écouté les injures, là, non, maman? C'est méchant, hein? Aïe! Bon, ça va pas gâter ma journée. Hein. Mon petit frère m'a dit des mots gentils là. C'est bien quand tu as les enfants qui prient. Hein. Allô, ma fille. Tu as entendu le lavage à sec qu'on m'a fait là? Non, il fallait que je montre. Non, il faut que je montre. Donc vous appelez aussi flop pour l'insulter. C'est ce que j'ai dit alors que voilà, on m'appelle sur mon téléphone pour m'insulter. Vous pouvez, entre vous là-bas, vous pouvez vous laver là-bas là. Mais quelqu'un vient de m'appeler sur mon téléphone pour m'insulter. Punaise. Ah, c'est pour ça que je suis en train d'avertir pour dire que voilà ça qui commence. C'est pour ça que moi j'avertis. Moi je suis pas en train de faire un problème.
Moi, je cause avec vous. C'est pour ça que j'ai lancé le direct que voilà ça ou voilà ça. Ça a commencé ou ça a commencé. Donc, ton père m'a appelé là pour me donner une bonne nouvelle. Donc, je fais son direct aussi pour dire quand même, pour avertir. Je suis contente. Oui. Ok, chérie, à tout à l'heure. Voilà ça ou voilà ça. Voilà ça ou voilà ça. Voilà ça ou combien de me laver ou combien de me laver ou voilà le numéro ici. Voilà ça. Voilà l'abeille qui m'appelle ou voilà ça. Bon. Mais Jean, je suis catholique pratiquante. Toute ma famille, nous sommes des catholiques. D'accord? Je ne fais pas la prière. Toutes les prières sont bien. Mais moi, je suis focalisée, très concentrée dans la prière catholique. Vous voyez, non? Je connais pas mélanger. Mais toutes les prières qui viennent à moi, je prie avec le cœur. C'est important. Je prie avec le cœur, mais je peux pas aller dans un... Comment on appelle ça? C'est les sanctuaires. Les sanctuaires. On appelle ça comment, les sanctuaires? Là, les pasteurs. Pasteur. Je prie avec le pasteur, mais je peux pas aller dans... Comment on appelle ça? Dans les... Elles sont les églises, non? Elles sont les églises, là. Je peux prier avec le pasteur deux places. Mais je peux pas aller là où il y a beaucoup de gens. Oui, non, là où il y a beaucoup de gens. Les gens qui tombent, les trucs comme ça, là. Les églises réveillées. Non, moi, je peux pas aller là-bas. Je peux pas aller à les églises réveillées. Je suis catholique. Et le fils de Gabi, là, s'il prie pour toi, même celle que je suis, ma grande soeur, celle qui a 6 enfants, là, la mère de Xavier, si elle prie pour toi, quand elle prie pour moi, maman, là, tu sens comment j'ai la chair de poule. Parce que quand mes soeurs là, disent qu'elles prient, elles prient avec le cœur. Hein. Elles prient vrai. La femme de mon petit frère Gabi, alors elle est maintenant con Maria. Et con Maria. La femme de Gabi, non. Donc, j'espère seulement qu'ils ne m'ont pas fait Gabi. Axel devient prêtre. Hein. Parce que Axel est déjà à l'église, là, il lit il lit la Bible là-bas, là. Il lit maintenant, tous les dimanches, c'est lui qui lit. Faut pas que mon bébé devienne prêtre. Arcelo, faut pas qu'il devienne prêtre, pardon. Il doit me faire beaucoup de bébés. Même comme les prêtres maintenant aussi ont les enfants. Le diamant, il faut pas que notre bébé devienne prêtre. Hein. Il faut pas qu'il devienne prêtre. Langa, hey, mon diamant, langa de Axel, là, s'appelle encore comment? Oh, Benéo. Mais Jean, c'est pas ce que je vais préparer aujourd'hui. Hein. Merci encore à toutes ces personnes. Angèle, ça va? Merci à toutes les personnes là qui ont souhaité un joyeux anniversaire à Monsieur Eva. Merci beaucoup. Il me charge de vous dire merci. Il était très content de vos beaux petits messages. Il est très très content et merci. Merci de l'avoir souhaité un joyeux anniversaire. Le temps passe vite, hein, vous voyez. Le temps passe très vite. Très très vite. Ça fait combien d'années que je fais des anniversaires avec lui? Le temps passe très très vite. Donc, il vous envoie plein de cœur comme ça à vous tous. Le diamant bleu qui a fait des bons montages. Des jolis montages. C'était beau. Merci. Et mon manager, que j'ai fait un gros big up. Mon manager, vous avez vu que ma page a changé, non? J'ai un manager maintenant, hein, qui ne rigole pas, il est dur. Mon manager ne rigole pas, il est très dur. Vous avez vu, non? J'ai un manager maintenant. Mes enfants ont dit que bon, maintenant là, tu dois avoir un manager. Donc j'ai un manager maintenant. Christian de Monaco, chargé de la communication. Vous avez un message à me faire passer. Vous passez par Christian de Monaco. Tout de suite, le téléphone sonne. Il me dit que voilà, la daronne.
Il y a une personne qui dit que... Ou alors vous appelez au diamant bleu. Vous leur transmettez le message. Ils viendront tout de suite vers moi. D'accord? Hein? Hey, Facebook efface, il y a les messages scellés. Quelqu'un a mis un message là-dedans, Facebook a effacé. Avant diamant bleu là. Merde, bravo Facebook. Zuckerberg, je te bise. Il y a les messages là que ils effacent. Il a effacé lui-même. Zuckerberg lui-même a enlevé le message là. Mais Jean, moi je voulais juste vous dire, surtout à mes enfants, j'ai appelé, c'était la TKC qui était convoquée ce matin, pour leur dire que voilà une abeille qui m'appelle et qui m'insulte. J'ai envoyé ça à mes enfants, j'ai envoyé ça à sa mère, j'ai envoyé à Diamant Bleu, j'ai envoyé à Christian Monaco, j'ai envoyé Ndolo Nondo. Qui sont-ils? Ah. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Et voilà, je suis Merci rentré dehors. beaucoup. Ah Voilà. oui, c'est lourd. Merci. Bonne Bonne journée, journée. bon courage. Ferme la porte, maman. Hey, j'ai un colis. Oh, qui m'a envoyé le colis? Qui a envoyé le colis à maman? Qui a envoyé un gros colis comme ça à maman? C'est qui m'a fait cette surprise-là? Oh là là. Tu as fermé, maman? Oui. Amène le couteau alors. On va ouvrir le colis, on va voir qui nous a envoyé ça. Oh. Un colis. Maman, les remèdes. Depuis que je bois les remèdes, il y a tout là. La nuit, je ne dors pas là tout. Amène-moi une bouteille. Oui, le grand couteau, c'est où? Tu m'amènes une bouteille aussi, s'il te plaît. On a un colis là. Faut que je regarde d'abord, elle peut partir, vous voyez que c'est pas mon nom. Perpétue, Maliba. Au moins ça, je sais lire. Au moins ça, je sais lire. Ne dites pas que c'est le colis de mon fils qui est déjà arrivé là. Hier qu'il a envoyé là seulement. C'est très lourd. Maman, j'ai chez mon couteau. J'en sais. J'en sais. On va ouvrir notre colis ensemble. Non, oui, ça, maman. Maman, merci. Attends. Allez, on va ouvrir le colis. Ah, j'ai froid. Viens, maman, viens. Donne-moi, amène-moi une bouteille d'eau. S'il te plaît. J'aime toujours recevoir des colis. Et quand je reçois des colis, je suis contente. Je suis comme l'enfant. J'adore. J'adore les colis. Les cadeaux. En fait, j'aime trop les cadeaux. Merci. T'es gentil. On va ouvrir le colis. On va ouvrir le colis. On va ouvrir le colis. Et... Ouais, oui, il est très grand le colis. Ça veut dire que c'est le cadeau qui est dedans. Oui. Ça, déjà, on enlève d'abord l'adresse de la personne. C'est très important. Il faut enlever d'abord ça. Attends. Attends, maman. Ça, il faut déchirer. Voilà. On y va. Il est temps de déchirer d'abord ça. On ouvre le colis ensemble, oh, maman. On a sonné. Il dit que moi, il n'ai jamais de visite. Qui vient sonner ici à l'heure? Elle est trop en bas. En bas, mais il est monté, il est gentil. Oh, le colis, le colis, le colis. Oui, tu aimes de faire les cadeaux, hein? Oui. C'est le cadeau de ton père, maman. Il va voir le cadeau du papa. Peut-être, hein? Si c'est pour lui, je ne m'ouvre pas. Hein. Tiens. Oui. Attends. Oui. Je vais déchirer. Ok. Ok, pas tout à l'heure mon cadeau dedans. Mais... Attends. C'est sûr que
Il y a quoi? D'abord. Oh, ça c'est les boubous. Ça c'est les boubous, ça c'est le cadeau de mon fils. Ça c'est pour mon fils. Jules Dubois, mon bébé. Mon cadeau de la fête du mouton. Mais c'est bien lourd. Hey, je vous annonce qu'il a dit qu'on doit tuer un mouton. Je dois tuer un mouton. Ce sont les boubous que mon fils m'a envoyé et mon enfant, que le Seigneur te bénisse. Et ça vient tout droit de la Mecque. Maman, c'est bien lourd. Tu sens la qualité. T'as trouvé ça. Porte la bête. C'est lourd, hein. Pose-la. Pose. Oh. Allez. En plus, ça sent bon. Ouais. L'enfant de qui est? L'enfant de qui est? Il y a un boubou noir aussi. Oui, il y a un boubou noir aussi, c'est pour la fête du mouton. On peut faire la fête, c'est comment? Attends, ici. Il faut qu'elle gâte. Ici, on doit défaire, je crois. Ah, c'est neuf. Oh, et... regarde, une belle robe pour maman. Oui, ça. Je mets ça dedans et puis je porte ça. Mais maman, alors maintenant, alors ne connaît pas ici. Comment on fait? Hein? C'est comme ça. Hein? Donc, ça veut dire que je dois enlever. Hein, mes gens? Je dois enlever peut-être la corde qui est ici, non? On va montrer ça aussi. Hein? Oui, je pense qu'on enlève. J'enlève le fil qui est là. Le fil qui est là, c'était pour arrêter le boubou. Ouais, je pense que c'est ça. Il y a aussi ça. Donc, c'est comme ça. C'est joli. Où ça, les perles, voilà les perles là qui tombent. Et ça, je mets ça dedans. Ça, je mets ça dedans. Oh, si j'avais ça quand je partais au palais, je veux partir à ça au palais. Ça, c'est pour la fête du mouton. Ça, je le mets dedans, comme ça. Et puis, je pose ça là au-dessus. Donc, il y a ça, il y a le noir aussi. Oh, mon fils. Merci. Merci, mon enfant. Il y a des paillettes. Oui, ça, des paillettes. Mon fils, sa main. Tu as vu comment... ton grand frère me gâte. Ouais, mon enfant est... Hey, maman, regarde, il y a même ça. Oui, ça, c'est le foulard. Foulard pour la tête. Ouais, Jules Dubois, mon enfant. Que le Seigneur te bénisse. Oh là là, ça, là, c'est la classe. Ça, c'est pour papa, alors? Oui, ça, c'est pour papa. Donc, pour vous. Oh. Merci, mon enfant. Ah, ça aussi, c'est une robe que je mets dedans. Comme d'autres robes. La fête du mouton, là. Jules Dubois a dit que je tue le mouton. Hein, je vous regarde, maman. Donc, vous voulez manger, vous venez manger le mouton. Je vais le mettre dans le carton, hein, parce que c'est pas ça le jour, là. Oh. Oh. Canel va être jalouse. Canel sera jalouse. Et ça, on met dedans. Ça, là, je mets dedans. Et il connaît la taille de sa mère, hein. Ouais, pendant que les gens m'appellent pour m'insulter. Maman, la disco, c'est ton oncle, là. La disco, c'est là. Merci. En plus, ça sent bon. Tu peux pas envoyer le parfum, là. Ça sent trop bon, là. Ça sent bon, hein. Ça sent un gros bon. Je te jure. Oh, ça sent bon. La classe. Mon fils Jules Dubois. Miami. Et c'est les gens qui vont être jaloux. J'ai envie de manger ça. Tu as envie de manger ça parce que ça sent bon? Oui. Mon fils me gâte. Mon fils me gâte. Et mon enfant. Merci. Merci de mettre toute ta mère en valeur. Merci. Comme tu dis souvent, à bon moment. Merci mon enfant, merci. J'adore mon cadeau. J'adore, j'aime. J'aime beaucoup. Oh, bon cadeau. J'aime mon cadeau. Ça me plaît. Ça me plaît énormément. Maman, on remet dans le carton. Oui, je vais remettre dans le carton. D'abord, je vais garder. Ça me plaît beaucoup. Donc, si j'avais ça. Mais c'est bien lourd. Ça a dû coûter beaucoup d'argent pour envoyer ça. Hein. C'est lourd.
très lourd. T'as pas oublié tes chaussures? Ah oui, j'ai oublié ça, c'est pour là. Ma fille m'a montré l'autre jour au Cameroun comment on attache le foulard. Faut que j'apprenne à attacher. Foulard, un bon foulard. Il est beau le foulard. Oh. Un beau foulard. Vraiment. Merci beaucoup mon fils. Merci mon enfant. Merci. Merci, 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 merci. Et t'as pas oublié ça? Non, ça reste dedans. Tu as fait du bon. Montre mes cadeaux à moi. Ce qui me concerne. Ce qui ne me concerne pas. Mais celui-là, il pèse, il est bien lourd. Tu sens le bon. Ça vient de l'Arabie Saoudite. Et du coup, là, ça vient de l'Arabie Saoudite. Ça vient de l'Arabie. Ça vient de l'Arabie Saoudite. Là, il vient dans les boubous là. Allez, on danse pour les cadeaux, on danse pour les cadeaux. La personne qui m'a insulté là, elle ne me dit plus rien. Tu m'insultes, on me donne les cadeaux. On danse pour les cadeaux. On danse pour Jésus. Allez, dansez, 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 dansez. Je suis contente. Chaque fois que je reçois un cadeau, je suis contente. Merci à mon fils. Je vais l'appeler là tout à l'heure. Les petites perles. On a alors quelqu'un qui va jouer ici avec ça. Sur la chaise, les perles. Voilà ça là-bas. Passe. Oui, nettoie. Ouais. Moi, je vais m'asseoir. Il y a des paillettes aussi. Oui, il y a des paillettes. Et j'adore tes paillettes. Il y a des paillettes à l'école en plus. Et il y a même des trucs noirs. Il y a des paillettes. Oh, il est gentil, le monsieur là. D'habitude, il y a un jeune là. Il ne monte pas les escaliers. Ils sont, tu descends là-bas pour en prendre. Oh, trop contente, trop contente. Voilà, ça c'est fait. Il faut enlever les paillettes. C'est parce que je prépare aujourd'hui là. I don't know what I'm cook me. I don't know. Oui, me a de cook today. I don't know. Amen. Don't know with me a de cook. I de lock my las. Telas. Telas. You be you. J'ai la toux en ce moment. Je touche le bien la glaire. Je souffre hein, en ce moment. Bon. Et c'est parce que je vais préparer. Là, vous me voyez là. Je vais sortir là. C'est parce que je vais préparer. Est-ce que je peux bien préparer les... J'ai quand même sorti la viande. Non, il arrête de faire le bruit. J'ai sorti la viande déjà hier. J'ai sorti la viande du congélateur. On a mangé le riz l'autre jour. On a mangé le poisson. On a mangé la viande. J'ai fait la viande. J'ai fait la viande avec quoi? Pour faire la viande avec les épinards sautés. Hein. Ou bien. Je me sens fatiguée. Coucou mon bébé, mon colis est arrivé, mon colis est arrivé, mon colis est arrivé, mon colis est arrivé, ça sent bon, Noé dit qu'elle peut me manger ça, ami Congo ça. Il faut du vrai, il faut manger cet habit. Ça sent trop bon, fais-le le parfum là dedans. Je suis en train de dire que ça vient de l'Arabie Saoudite, mes boubous, c'est comme ça, maniaka ma boubé. Le goût, merci mon fils, que le Seigneur te bénisse. Qu'il te bénisse abondamment. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci mon enfant. Merci. Merci mon bébé, merci. Je leur ai dit que tu as dit que je vais tuer le mouton. Et ils sont invités tous à venir manger. On m'a fait le mouton. Donc,
Voilà l'habit que vous portez pour la fête du Ramadan. Vous allez choisir le rose ou le noir. Vous allez me dire. Le rose, elle me tue. Ah, maman bébé. Je vais mettre ça seulement avec le soutien et le caleçon. Hein. Je ne mets pas l'habit là. Il doit être bien sexy. Ou bien, il y a le truc que tu as mis, qu'on a mis dedans là. Là, c'est pour là-bas là, en Arabie Saoudite. Ici en France, on est sexy. Je porte ça avec le soutien l'Ukanda. J'ai les formes pour ça. Est-ce que je vais cacher? J'ai les formes, je mets mon soutien et mon kanda. Est-ce que je vais aller à la Mecque? Je ne vais pas à la Mecque. Donc, quand on vend ça à la Mecque, on met le truc là-dedans pour couvrir toutes les choses. Moi, je vais mettre l'Ukanda. Le gros kanda là, l'Ukanda qui prend les joues, les fesses qui montent là, comme, comme les gaines là. Oui, avec le soutien. Mon frère, j'ai les formes. Ma fille, tu dis quoi? J'ai les formes. Ta mère a les formes. Je ne me vantais pas. J'ai les formes. Oui. C'est parce que maintenant, je n'ai plus trop envie. Je suis une femme au foyer. Une femme au foyer doit être une femme maintenant qui s'habille bien. Tu ne dois plus porter les jupes au-dessus des genoux. C'est-à-dire, si tu as, trop dépassé, c'est ici comme ça. Tu mets jusqu'ici comme ça là. Tu vois, non? Mais plus ici comme ça, non. Tu mets ici. Comme par exemple, ce que j'ai là. C'est trop court. Tu vois? Je dois mettre comme ça. La jupe doit être ici comme ça. Parce que j'ai les formes. Je ne suis pas un genre. J'ai les formes. Voilà ça. Qui dit mieux? J'ai les formes. J'ai les pistolets, ça. Ça là, c'est les pistolets. Donc, ce n'est pas les fesses. Les gens disent qu'elle n'a pas les fesses, c'est la gloise. J'ai ça. Les gens payent pour aller mettre ça. Les pistolets, si. Hein? Et hélas. J'ai les formes. Donc, je vais porter la fête du mouton. Pas plus de 5 personnes, hein. Parce que moi, si je mange d'abord 2 gigots. Parce que mon fils a dit qu'il achète le mouton que... Donc, je veux pas plus de 5 TKC. 5, ça suffit. 5 TKC, ça suffit. On tue notre mouton, là. On paye nos jus. Parce qu'il a dit que le jour, là, il ne doit pas boire le champagne. Il doit boire le jus. Je suis en prison. Le jour, là, il boit le champagne. Il boit ma veuve. C'est la veuve. Je vous ai dit que moi, les autres champagnes, ils n'aiment pas. J'aime la veuve. Veuve Clicquot, ça me fait pas mal à la tête, ça me va bien. Donc voilà, la fête du mouton se prépare déjà. Ah, mais no, 5 TKC, 5 TKC, vous êtes invité. Christian Monaco, voilà, ton grand frère a acheté la Bible pour le Ramadan. Donc il a dit que je vais tuer le mouton. Donc tu dois être là. Je ne veux pas entendre que tu me dis que tu travailles trop le jour là. Tu vas leur dire que ta maman a dit que tu dois être là. Donc, la fête du mouton, c'est ici que ça se mange. Maintenant, vous allez me dire, si je te fais, si tu manges pas le mouton, tu me dis, je te fais un bon petit poisson brisé à côté. Mais, on va faire notre mouton, d'accord? On va faire le mouton. Parce que, ça m'aide à, en tout cas, je ne parle pas maintenant. Ma bouche ne m'allait pas. Tu peux pas aussi souvent fermer ta bouche un peu. Ah! Allez, papa, va de trop vite. Elle parle trop. Hey, quelqu'un peut parler comme ça? Mamie Kongusa. Ah! En tout cas, la fête du mouton, c'est ici que ça se mange. Ma fille, ne rit pas. Ne pleure pas. T'as même trop, Kongusa. T'as même trop, Kongusa. Je le connais. Mais ne fais pas le Congo ça la seule, j'ai pas tout ça avec juste du bois. Même sa mère aussi aime le Congo ça. Pourquoi vous faites comme si ce n'est que moi qui aime le Congo ça? Parce que moi, je parle au Hoha. Et ma mère aime le Congo ça. Juste du bois m'a arrêté hier, j'ai fait le Congo ça jusqu'à j'ai oublié la nuit. Au nom de Dieu, j'ai fait le Congo ça avec lui hier. De 8h jusqu'à 17h, on était dans le Congo ça, je ne manque pas, il est là. Le Congo ça veut me tuer. Non, moi je ne fais plus moi le Congo ça. On m'a déjà dit que je ne laisse plus les voices. Je ne laisse plus les voices. Quand il laisse le voice maintenant, il laisse le voice maintenant que j'ai faim. Je ne laisse plus les voices. Le voice là maintenant c'est devenu dangereux. Voilà l'autre qui m'a laissé le voice ici. Je me lave jusqu'à. Maman. Hé. Hey, je ne laisse plus les voices. Si je veux parler quelque chose à quelqu'un maintenant, je t'appelle. Je te dis que c'est comment. On dit quoi?
Si tu veux maintenant, tu m'enregistres, mais je sais que je t'ai... C'est que je t'ai appelé. La toussée. La toux. La toux me menace beaucoup en ce moment. Je tousse jusqu'à ce que je vomis. Les rendez-vous sont longs. Je suis parti tout à l'heure pour prendre rendez-vous. On me donne rendez-vous jusqu'au 21 juillet. Juin, juin. Ce mois-ci. Maman, n'oubliez pas où. Je bois le sirop là, mais ça ne fait rien. J'ai pris le gourmet l'autre jour, merde. Ce que ça m'a fait. J'ai pas envie de parler. Bon. Je vais vous laisser parce que là, ça me fait trop tousser là. Minou, donne-moi un peu l'eau, je veux boire, s'il te plaît. Là-bas. C'est à cause du Congo ça. Le Congo ça m'a fait gérer jusqu'à. Donc. Oui. C'est pas à toi maman. Amène-moi l'eau s'il te plaît. Okay. La tête cassée. Jules Dubois a dit que c'est ici qu'on mange le mouton. Merci ma fille. Un verre ou un gobelet s'il te plaît. Donc la fête du mouton c'est ici qu'on mange. Et j'exige que tout le monde doit être habillé en tenue traditionnelle. D'accord? Merci. Tout le monde doit être habillé en tenue traditionnelle. D'accord? Et vous venez manger le mouton. Cinq thés cassés. Si vous êtes 8, hein, la maison de la mère est ouverte à tout le monde. La maison est ouverte à tout le monde. Donc, je vous attends pour la fête du mouton. Moi, j'ai mes habits, vous avez déjà vu, ce n'est plus une surprise. Donc, c'est ça qu'on va. On va faire le tabac. On va faire le tabac, non? Il a dit que je dois tuer un mouton. Donc, je vais vous laisser moi réfléchir à ce que j'ai préparé aujourd'hui. Ce direct était pour avertir la tête cassée. Pour leur dire que les abeilles ne se limitent plus aux réseaux sociaux. Ils appellent déjà sur mon téléphone pour m'insulter. Je suis venu avertir. Je suis venu vous avertir que voilà maintenant les abeilles qui m'appellent sur mon téléphone pour me laver. J'ai dit que je ne peux pas laisser ça passer. Je lance le live. J'avertis devant tout le monde. Donc j'ai envoyé ça à sa mère. Comme ça, lui va mettre la balle là, on va écouter. Comment est-ce qu'une abeille m'appelle pour m'insulter? Donc on va aller chez Samé. Samé va lancer le live là-bas, on part là-bas. Vous entendez comment est-ce qu'on appelle pour m'insulter? Si ce n'est pas la sorcellerie. Je vous laisse, non? On dit à tout à l'heure, je vais voir ce que m'a préparé. La grippe me menace. Bisous. Allons chez Samé. Samé va nous lancer le direct là. On va pas écouter. Comment les abeilles m'appellent pour m'insulter. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois.